Salut les gars, c'est Zéro, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super bien, surtout pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai comment skinner la remorque Shiro pour ETS 2 en 1.32. Elle passe pour la 1.34, parce que je l'ai. Je vais vous montrer tout ça, donc vous la téléchargez, vous cliquez sur Download Link ici, voilà. Vous téléchargez, moi je l'ai déjà fait, je peux le refaire. Après il faudra vous télécharger DX BMP, voilà. Les photofiltres. Quand vous aurez ces deux logiciels, vous les mettez de côté. Votre remorque, vous la prenez, vous la laissez de côté sur votre bureau aussi. Vous l'ouvrez. Vous allez dans véhicule, trailer, Shiro. Non. Ici, paint job, Shiro. Et voilà, c'est ici que ça va jouer. Vous allez prendre Shiro. Attendez. Ça doit être celui-là, donc vous le glissez ici. On va voir. Attendez, et bientôt aussi il y aura une vidéo où je skine une enseigne. Voilà, c'est bien celle-là. C'est bon. File, vous faites file, save. Après, vous faites 24 bits et il faut vous créer un dossier aussi. Donc, enregistrer. Vous créez un petit dossier sur votre bureau, donc vous aurez besoin de 3-4, vous aurez 4 documents sur votre bureau. Une fois que vous avez créé votre dossier, vous le mettez dedans comme je viens de faire, et juste supprimer mes anciens, voilà. Donc c'est bien ici, voilà le skin. Vous le prenez, vous le glissez dans photofiltre. Voilà, c'est ici ça va jouer. Après vous faites le skin que vous voulez. Par exemple, moi je vais ça, tac, et puis je vais enlever tout ça, hop, je vais vous montrer un peu l'armoire que j'ai fait pour mon entreprise, je vais refaire la même, voilà, donc vous enlevez tout ça, vous gommez, voilà. Et comme je disais, il y aura bientôt une vidéo où je vais skinner une enseigne. Donc, parce qu'en ce moment, j'ai plus trop envie de jouer à farming. Du coup, je joue beaucoup en ETS en ce moment. Du coup, je vais vous faire des petits tutos qui pourront vous aider si vous créez une entreprise ou si vous jouez en solo comme ça, tout seul. Même sans entreprise, vous pouvez vous faire une enseigne avec votre nom, une remorque avec votre nom, tout ça. Ou des panneaux si vous lancez Canyon, et des V8, tout ça sur la remorque. Voilà. Tac. Voilà. Du coup, j'ai gommé toute la partie qui était marquée ici. Vous allez cliquer sur T ici et vous, par exemple, j'ai marqué KL. Tac. Trans. Voilà. Ça c'est mon entreprise. Vous le prenez, vous cliquez dessus. Moi je l'ai mis en 150 ici, la taille, couleur noire, Arial, la police. Du coup voilà, vous essayez de placer. Moi je prends comme ça. Tac, vous essayez de placer ici, dans bien le milieu. Voilà. Vous aurez cliqué sur T, vous aurez fait OK. Vous reprenez. Vous la remettez ici, vous mouchez ça comme ça. Voilà. On est plutôt pas mal. Voilà. On a notre remorque. Ici, ce sont les portes. Donc, je reprends la gomme. Ça, c'est pour les portes arrière. Du coup, je reprends la gomme. Je regomme tout ça. Parce que c'est pas fort joli tout ça. Hop, j'en mets tout ça blanc. Tac, voilà. Donc je fais un truc vite fait. Après vous, si vous faites pareil que moi, mais vous n'êtes pas obligé de faire le même skin que moi, vous faites le skin que vous voulez, ça marchera, hein. Voilà, la remorque
La porte elle est blanche. Du coup, je vais apporter un fichier. C'est dans image. Voilà. Je prends. J'ai un loco pour dev et un loco scagno. Je le prends. Je fais copier. Je fais le petit coup ici. Je fais coller. Il va arriver ici. Ça, si je me trompe pas, je fais ça. Non. Clic droit. Redimensionner le CAC. Voilà. Je redimensionne. Voilà, et vous le placez bien en milieu. Voilà. Après, vous cliquez droit dessus, faites valider. Voilà notre marque. Ici, c'est la partie du châssis. Donc, le châssis, on voit pas bien. Voilà, si on voit un peu le châssis bleu ici. Donc, c'est pas trop joli en bleu. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends le petit pot de peinture, je prends en noir et tac. Voilà, ça on n'en parle plus. Je clique après ici. Et après, vous avez des bavettes DAF. Si vous voulez pas DAF, vous les enlevez. Vous mettez Scagno. Bon, je vais laisser DAF pour cette vidéo. Après, les CAC ici, vous cliquez dessus. Vous faites fusionner avec le CAC inférieur. Vous en faites pareil pour tout. Fusionner. Voilà. Après, vous faites enregistrer ici. Vous fermez ça. Donc, si vous cliquez dessus, on voit bien notre marque ici. Après, vous leur prenez, vous leur remettez dans DXBMP. Ça, vous mettez sur le côté. Et ici, on voit bien notre marque. Vous faites File, Save, DDS, Texture, Enregistrer. Vous attendez que ça sauvegarde. Voilà. Normalement, c'est dans mon dossier. Voilà, il est ici. Vous le prenez, vous le remettez dans le fichier Winrar. Ici, vous mettez en méthode, vous mettez en stocker. Vous faites OK. Donc notre remarque elle est bien ici. Vous fermez tout ça. Vous fermez ça. Vous fermez votre dossier. Et après, vous mettez votre mode. Dans votre dossier mode de TS2. Voilà, donc ça va donner ça. Je peux lancer mon jeu parce que c'est avec la promo, tout ça c'est un peu long. J'ai pas mal de mode aussi, donc ça fait ça. Voilà, ça fera ça sur votre jeu avec le truc Scania. Voilà, et si j'en avais refait une ici pour un de mes chauffeurs, moi ça je l'ai laissé bleu. Sauf que j'ai mis LKT Transport aussi et j'ai mis des DAF là, donc c'est assez beau. Avec le DAF, avec les bavettes DAF, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Zéro, bye bye tout le monde.